I'm a good boy. Cute music. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est qui? C'est Kim, et aujourd'hui on se retrouve sur GTA V sur PlayStation 4. Donc le jeu est édité par Take-Two Interactive, développé par Rockstar Games. Donc le jeu est sorti le 18 novembre 2014, et il était conseillé aux moins de 18 ans. Donc là on se retrouve pour la version PlayStation 4. Je pense que l'on attendait depuis très longtemps, depuis sa sortie sur 360, enfin l'année dernière quoi, et PlayStation 3. Donc nous allons calibrer la luminosité. Donc comme ça va être très bien. Hein. Pas chercher à comprendre. Donc en fait cette vidéo c'est tout simplement, on va dire, une redécouverte du mode solo, avec cette fois-ci des graphismes peut-être meilleurs donc sur la PlayStation 4. Et j'avoue que je pense qu'on l'attendait tous, enfin. Celui qu'on a le temps plus, à mon avis, enfin, surtout pour moi et pour d'autres, je pense, c'est cette version PC. Parce que pour les joueurs uniquement PC, je pense qu'ils doivent avoir assez les boules. Donc déjà, au niveau du temps de chargement, je sais pas, là, ça a l'air peut-être moins long. Enfin, je sais pas, là, on est à 90%. Déjà, ils ont rajouté un pourcentage, ça, c'est sympa. Et je suis désolée si je me retrouve sur la PlayStation 4 et non sur la One. Mais c'est Netto qui a acheté le jeu, donc bah du coup j'allais pas en racheter un autre quoi, donc voilà. Il l'a acheté sur la PlayStation 4, donc je suis désolée pour les joueurs Xbox One. Je ne peux pas faire autrement. Attends, alors, changer du en appuyant ici. On va jouer à la vue première personne. Alors ça, je trouve ça vraiment sympa d'avoir mis cette vue première personne. Franchement. Ok. L2 pour viser. Merde. Putain. Je suis désolé, mais c'est vrai que sur la play, j'ai un peu de mal. On va viser. Allez, au fond! Allez, hop, c'est bon. Tous au fond. Pour faire apparaître le téléphone. Ok. Ok, ah ouais! Ok, ok. Détonation. Ah, ça sort de la... Je commence à me demander ce que c'était. Le son sort de la manette. Les lieux sont... Ouais, bon, ça, on le sait tous, hein, on n'a pas le Goldmont. Yeah, c'est sympathique, ce petit sapin. Alors... Bon, bah, on y va, tout simplement. On avance, les amis. Pour courir, c'est comme ça. Bon, bah, la vue FPS pour courir, là, elle est un peu chelou. On va changer de vue, hein, parce qu'en fait, on va faire à peu près toutes les vues. Pour essayer de voir ce que ça donne. C'est bien chercher le fric. Non, moi je me casse avant. Bon, peut-être que j'aille chercher le fric avant, ce serait mieux. Pour l'instant, c'est pas mal, je trouve. Prenez l'argent. 2 000 $. 95 000 $. 179 000 $. Allez, on se casse. On ressort, Brad, allez. Oh, les cheveux. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, putain, j'avais oublié ce truc. Hop. Et là, on vise le gars. Headshot, motherfucker. On va changer de vue. Maintenez croix pour courir. J'ai du mal à faire cette vue là. Ça me donne envie de gerber. Mettez-vous à couvert. À couvert. Je sais plus parler moi, c'est un truc de fou. Appuyez sur R1. Ok. C'est du fou.
Ok, donc... Attends, en fait, pour courir, je me trompe de touche. Ouvrez la porte. Donc L2 et R2 pour tirer. Ok, c'est parti. Allez! À mort! L3 pour zoomer en visant. R3 plutôt. Ok. Il y a encore des flics là? Ah ouais, en effet. Allez hop! Ça fait longtemps le jeu, franchement ça fait plaisir d'y rejouer quoi. Enfin, en tout cas en mode solo, bien sûr. Il y en a encore un! Il est où cet enfoiré? Yeah! On a une ouverture vite! Tapoter rapidement un pour courir quand vous êtes à l'extérieur. Ok. Je tapote, je tapote. Quand vous ne visez pas, appuyez sur R2 en tirant pour tirer en courant. Moi, pas savoir parler en même temps de jouer. Donc moi, pas savoir faire vidéo. Bref. On va choisir rapidement le personnage approprié. Nanana, nanana. Ok, mec. On va prendre Michael, hein. On sait pas pourquoi, mais on va prendre Michael. Allez, hop. On s'arrache d'ici. Allez. On se tire de ce lieu. N'empêche, là, ça va. C'est pas trop mal fait. Bon, après... Le lieu n'est pas intéressant, ici. Je préfère être à Los Santos, quoi. Allez, allez, partons de cette neige. Putain, on a du mal à avancer dans la neige. Énorme. Fuck you, le bouseux, c'était un connard. Conduisait jusqu'au point de ramassage de l'hélicoptère. Stop the train. Ouais, je me rappelle trop des missions. Vite. Ah. Un barrage, merde. Prends à droite, vite, vite, vite. Alright? Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck! 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 I'm gonna check around back. Ah! Oh! Fucking bad! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here! Ah, fuck! Out of here! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out! Go! No! Je sais pas si c'est fait exprès, mais dès qu'il y a les flics, en fait, il y a la manette qui clignote en rouge et en bleu. Un peu comme les flics, quoi. C'est énorme. Allez, allez, on va tous se faire les policiers. Bande d'enfoirés de merde. Toujours aussi poli, hein, n'est-ce pas? Motherfucker!
Ah, ça fait plaisir de rejouer à ça, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, de... What? De ce GTA, en fait, sur PlayStation 4 ou Xbox One, tout simplement. Not always a good husband. Not always a good citizen. He did not die a hero's death. But he was a man. Our Lord was crucified with two thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael, like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friends. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet,
Do some skywriting and reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie, this the spit knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshitting. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Damn. This nigga must. Je trouve que les cactus et les armes sont trop bien faits. J'aimerais bien revoir la version old gen parce que là, j'aimerais vraiment voir ce que ça donne. Sinon, je trouve que les cheveux, enfin surtout pour le psy, ils étaient bizarres en fait, mais bon. Voilà, c'est vraiment sympa de refaire ça là. Il y a vraiment. Il y a l'air d'avoir quand même de trucs vraiment sympas. Yeah, ouais, je vais prendre celle-là. Ou celle-là. Ou celle-là. Celle-là, allez. Ah, je me souviens là, c'était trop bien. Ah, il se casse déjà. Je suis désolé. Oh le con. En fait, attendez, je vais mettre la manette près de là, près du micro. En fait, la marre, il me parle dans la manette. Je crois que j'ai la marre dans la manette. Il y a un petit problème. Je plaisante. Alors, la barre jaune sous le radar indique le niveau de compétence spéciale de Franklin. Donc, moi, j'aurais une compétence spéciale de conduite de merde. Waouh, ça fait tellement plaisir de revenir à Los Santos avec une bonne qualité, là. Ah, je vous jure, avec une conduite parfaite. Non, franchement... Oh, je sens que je vais pouvoir me rebalader et je sens que je vais pouvoir refaire une version HD... Merde. ...de mes petites visites. Bon, je vous laisse lire. Franchement, c'est sympa le fait qu'il parle dans la manette, j'aime bien. Ça fait peur au début, mais bon. Bon, je vais essayer de mieux conduire parce que là, fou, c'est un peu de la merde là. Et je suis en train de foutre. Puis hein, la marre, il est en train de me foutre une belle raclée en plus. Et bon, on peut pas être bon, je sais pas. Hein. Alors là, on visite un peu comme ça. Fuck you! Oh merde! C'est qu'à le dire. Oh! Oh, oh. J'ai écrasé les acteurs! Les figurants ou je sais pas quoi. Dégage. Merde, il est pas au bon endroit. Je suis pas allé au bon endroit. Merde, 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 merde. Oh my homie! Ah putain! J'ai envie de recommencer, c'est trop nul! Elle est trop rapide pour moi cette voiture. Allez hop, on va passer par là. Il est où l'autre? Ah, il est là. Merde. N'importe quoi, le mec il va rentrer dedans et tout, c'est n'importe quoi. Allez, on va. Il y a ici, c'est trop bien parce qu'il y a les boss là. Ah putain! Ah, c'est chaud quand même. Oh là 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 là, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop. Ah ouais, l'angle de caméra, ok. Oh, on va mettre une vue interne. Vous avez... Ah, énorme, on a une vue interne, quoi. On va voir un peu ce que ça donne. Mais merde, j'ai rien vu venir, moi. On va enlever la vue interne. Ça va pas le faire, je pense. Mais dégagez, là, laissez-moi conduire. Ça aurait été la conduite la plus nulle que vous aurez pu voir sur le net. Et il fallait bien que ça existe. À gauche, ok. Je te fous la pâtée. Non! Allumer les phares du véhicule. Non, tu me fous pas la pâtée. Putain, elle dérape trop la caisse pour rien, quoi. J'ai rien demandé, moi.
Tu veux un poteau? Bah vas-y, paye-le toi. Hop, il est passé par où ce con? Par là. Ah ouais, on le voit en train de faire des bons là. Oh putain. Regarde ça. Damn it. Allez vite, on a les flics. Et les flics là, ils nous parlent aussi dans la manette. Ça par contre, c'est moins drôle. Je suis en train de faire le tour, on sait pas pourquoi. On va se barrer, faire un petit tonneau aussi, c'est sympathique. On va essayer d'échapper aux flics. Le radar clignote en rouge et en bleu quand la police peut vous voir. Oh oh. Oh oh. Ça y est, la police, elle nous va plus. On va essayer de se foutre là-dedans. De se cacher ici, tranquille. On va attendre que les petites étoiles disparaissent. Tu. Allez. Oh, ma bagnole. Oh, regardez la gueule de la bagnole, quoi. Vous avez déjà vu ça? Allez, laissez-moi libre. Ah ouais, d'accord. On se baisse, énorme. C'est bon, je peux ramener la voiture à la concession. Par contre, là, je sais pas où est-ce que je peux passer ici. À mon avis, on va revenir ici. On va aussi, on peut utiliser sa compétence spéciale. J'avais oublié aussi ce truc. Des compétences spéciales. Los Santos. Voilà. Bullet time, ma gueule. Hop, putain, mais à peine on rentre dedans, ça y est, je dérape comme une merde, quoi. C'est dingue, ça. Ah là là, c'est vrai que c'est quand même super sympa, quoi. Ça me fait vraiment plaisir. Donc ensuite, je pense que je vais reprendre mon personnage en multijoueur, mais je vais essayer de le refaire complètement. Parce que mon personnage en multijoueur, il a un peu une sale gueule, quand même. Ah, ici, je me souviens, c'était vraiment sympa. Il y avait même un petit hôtel ici, très cool. Ah, ça va quand même, les bâtiments sont bien faits. Ça reste très joli. On va arriver à voir notre concessionnaire fou, là. Hop. C'est parti. And I will not sell you this card. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, bull? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Samuel. I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy. Bienvenue à Los Santos. Take the wheel. Show me. Sure. Okay. How about we fall through, homie? Alors, on va monter dans notre voiture. Et on va aller chez nous, tout simplement. You trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how. What you own, homie? That's exactly how I like my women.
Excusez-moi, j'étais en train de lire ce qu'ils disaient et c'est vrai que leurs dialogues ils sont vraiment énormes. Comme le cul de sa tante, bref. C'est parti, on va aller chez... J'allais dire chez Kendrick Lamar, mais n'importe quoi. Chez Franklin, tout simplement. Nous, on passe par le trottoir parce qu'on est des gueudins. On n'est pas très très loin. On va aller dans notre petit ghetto. Et on ne sait pas prendre deux virages aussi. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh, motherfucker. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Voilà notre lit magnifique. On va aller se coucher. Ah, c'est pas mal ce qu'il fait là. Ah, la bouteille de coca juste énorme. Et on va aller chez le coiffeur aussi. Alors il a quoi comme vêtements pour qu'on change aussi là? Écoutez, il y a le téléphone qui sonne. La manette elle vient à tout. Énorme. The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. C'est énorme quand ça sonne. Ah, la lune elle est stylée. Regardez ça un peu là. Ah, c'est trop stylé. Bon, c'est vrai qu'en vrai, elle est pas aussi grande que ça, mais bon, c'est pas grave. On est à McDonald's Street, ça c'est énorme. On va prendre cette bagnole parce qu'elle me plaît bien. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas les flics. Elle est magnifique. On va l'appliquer. On va aller chez le coiffeur, en espérant que ce soit ouvert la nuit. Oh oh, excusez-moi, je suis un petit peu bourré. Hey, Rihanna va nous faire une coupe de cheveux énorme. Elle est toujours là, elle. Je vais faire cette coupe-là. J'avais déjà fait ça sur la 360, mais j'aime bien. Et je savais pas qu'on faisait ça avec des ciseaux, mais bon, c'est pas grave. Ça te plaît, Rihanna? Comme ça, c'est pas mal, non? On va pas en mettre du tout. Et voilà, on a une coupe de cheveux à peu près milieu. Hein. Alors, on va reprendre notre bagnole, puis on va faire un petit tour, on va un petit peu se promener. Alors, on va un petit peu visiter, même si c'est la nuit. Et bon, ça peut être sympa la nuit. Sauf que non, 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 messieurs, je n'irai pas voir les madames sur le trottoir. Non, non, non. Ah bah putain, c'est quand même vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Alors n'hésitez pas, vous, à laisser vos impressions. Hein, vraiment, j'aimerais avoir votre avis sur le fait si vous prendriez le jeu ou pas. Enfin, admettons que vous l'ayez déjà sur les anciennes... console, est-ce que vous serez prêt à le racheter sur les nouvelles consoles? Enfin, sur les anciennes, nouvelles, je sais plus trop là ce que je suis en train de dire. Oula, n'empêche, c'est vrai que, bon, c'est un petit peu abusé parce que voilà, de le ressortir un an après, parce que voilà, c'est vraiment pour vendre le jeu à mort. Mais bon, bien sûr, bah, ça va quand même se vendre, et puis bon,
voilà, ça fait toujours plaisir de pouvoir le refaire sur une console plus récente, c'est quand même mieux. Voilà, moi après je l'attends bien évidemment sur PC, j'attends énormément. J'espère qu'il sera bien optimisé pour pouvoir le faire tourner correctement. Mais bon voilà. Je sais pas où est-ce que je vais, là je fais des conneries, je suis à contresens, à l'aéroport. C'est pas grave, je fais de la merdouille. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo redécouverte pour voilà, essayer de se remémorer un peu le jeu, quoi. Voir un peu ce qu'il donne sur cette console-là. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Maintenant, j'ai hâte d'essayer le multijoueur. Bon, je pense que je vous ferai une vidéo aussi. Et puis, voilà. Le pont, là, il est vraiment bien fait avec la luminosité. Je trouve ça vraiment stylé. Je ne sais pas ce que je fais, là. Mais là, franchement, de nuit, là, les phares et tout, c'est super joli, je trouve. On va passer par là. Dégagez le passage. Je veux passer. On va voir un peu la vue comme ça. C'est pas pour moi la vue comme ça. Voilà, voilà, j'ai une magnifique bagnole. Pour moi tout seul. Oh putain, je sens que je vais galérer à la conduire vu comment elle va vite. Ça commence bien. Regardez-moi ces buildings, comment c'est magnifique. Allez, on va se faire une... On va aller à fond là. Putain. Il faut que je tourne. Regardez ça, la ville, comment c'est trop bien fait. Templar Hôtel. Non mais il y a les Templiers même dans GTA, quoi. C'est une blague. Je me souviens pas de ça en plus. Oh oh. Un moindre poteau et on est renversé. Regardez en haut, le ballon, c'est énorme. Enfin, c'est pas le ballon, mais le... Le zeppelin ou zeppelin, je sais plus quoi. Oh, on voit les lettres au fond de Vanwood. Ah putain. C'est énorme. Un jour j'irai à Los Angeles. Un jour. Je l'espère bien. Et je pourrais vous faire une vraie vidéo blog. Vlog plutôt. Vous direz, me voici à LA. Ouais, fuck. Toujours rêvé. Bon. Moi, tout ce que je vais faire, c'est retourner en ville. Ah, ici, c'est... Attendez, que je me trompe pas. L'hôtel de ville. Je me souviens très bien de ça. C'est énorme. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par là. Voilà, là, on commence à arriver dans un quartier très intéressant, je dirais même. Vraiment sympathique. Je me prends toutes les bagnoles, tous les murs, mais c'est normal. Hein. Mais cassez-vous tous là, mais foutez-moi la paix. Maintenant, il y a un bus. Je crois que ma bagnole, elle est complètement foutue. Ah! Je vais prendre la moto. Enfin, si elle fonctionne encore. Vu que je viens de bêtement la renverser. Yeah! Oh, le mec, il est vénère. Le mec, il est vénère. Oh, putain. Mais moi, je veux la moto. Tu comprends ça ou pas? Allez. Passe-moi ta moto, mon pote. Allez, tac. Tac. Vite. Vite, je prends la moto du gars et je me tire. Voilà, regardez-moi les lettres. Ah, c'est énorme. Éclairé comme ça dans la nuit, c'est magnifique.
Oh là là là, c'est génial. Avec la lune en fond, c'est magnifique. Alors là, on peut pas faire mieux. Et après, on va se retourner, ça va être magnifique. Regardez ça. Hop, on va grimper à une lettre. Et voilà, c'est nous les boss de Los Angeles. Waouh, la distance d'affichage, elle est pas mal. Regardez, on voit les véhicules rouler là-bas au loin. Il y a des effets de particules. Là-bas, on voit l'observatoire. Ah, la couleur du ciel est super jolie. Oh là là. On a un lever de soleil en direct, les amis, là. Énorme. Et voilà, le soleil se lève doucement sur Los Angeles. Regardez cette végétation. Comment c'est énorme. Là, on avait une belle vue sur la ville. Oh, regardez ça, c'est magnifique. Le soleil qui se lève. La prochaine fois, on ira vers la plage. Là, on est plus vers les montagnes, là. Et c'est quand même vraiment stylé, quoi. Donc, bah voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je pense vous en faire plusieurs. Et aussi je pense qu'il y aura un petit peu plus que 2 vidéos par semaine. Je vais essayer de voir pour vous en faire un petit peu plus. Pour l'occasion des sorties des jeux comme GTA, Assassin's Creed et par exemple Pokémon aussi. Je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos par semaine. Enfin en tout cas plus que 2. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser vos impressions donc sur le jeu, si vous comptiez le prendre ou pas, si cela vous intéresse de le revoir en fait sur une nouvelle console. Bon, bien sûr pour tous ceux qui ont la possibilité de pouvoir l'avoir sur les nouvelles consoles. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi pour ceux qui aimeraient l'avoir sur PC quoi. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Put your hands in the air.